Maquilla! Quelles sont les limites que vous pouvez atteindre? C'est une question que l'on me pose souvent. On en voit beaucoup sur YouTube de personnes qui disent que vous êtes illimité, que vous pouvez tout atteindre. Personnellement, après 20 ans d'expérience, je ne pense pas que tout le monde peut atteindre n'importe quoi. Oui, tout le monde peut devenir n'importe qui, mais tout en faisant des fois n'importe quoi. Comme disait Rémi Gaillard. Mais tout le monde ne sera pas président de la République, tout le monde ne sera pas Teddy Riner. Donc oui, vous avez un potentiel illimité par rapport à votre potentiel de naissance que vous pourrez faire fructifier. Mais tout le monde ne deviendra pas Mozart. D'ailleurs, avec toutes les techniques de modélisation issues de la PNL, comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un Zidane, qu'un Neymar, qu'un Messi, qu'un Schumacher, qu'un Zidane, qu'un Mozart? Donc, comment se fait-il avec toutes les techniques de modélisation en PNL qu'il n'y ait eu qu'un Platini, qu'un Pelé, qu'un Zidane, qu'un Mozart, qu'un Schumacher, qu'un Tiger Woods, qu'un Federer ou qu'un Nadal? Tout le monde ne peut pas devenir la version ultime que vous connaissez dans une activité, quelle qu'elle soit. Vous ne pouvez devenir que le potentiel que vous avez. Mais par contre, vos croyances, vos limitations vous bloquent. Alors, oui, je pense qu'on peut atteindre des niveaux incroyables dans sa vie. Mais on ne pourra pas tous devenir président de la République. D'ailleurs, il n'y en a qu'un qui le devient. On est bien d'accord. Alors votre vie commence à changer quand vous commencez à changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque difficulté que vous allez rencontrer sur le chemin de votre rêve, sur votre chemin idéal, il y aura des difficultés, mais il y aura des trésors cachés. Chaque fois que vous avez une difficulté, cherchez le trésor caché, car tout tourne à votre avantage. Si vous répétez mentalement cette phrase clé à chaque fois que vous avez des difficultés, je peux vous assurer que vous allez avoir des habitudes de gagnant. Mais sachez que derrière chaque réussite, il y a un prix à payer. Êtes-vous prêt à payer le prix pour vivre la vie de vos rêves? Est-ce que vous êtes prêt pour devenir champion olympique comme l'a été Teddy Riner, de vous lever tous les matins à 5h, de vous entraîner à 6h jusqu'à 8h, de faire un footing et de vous entraîner encore 6h de rang et terminer le soir par des techniques de préparation mentale, de méditation, ne jamais partir en vacances, ne jamais faire d'écart alimentaire? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Voilà, trop de personnes voient le résultat de certaines personnes sans comprendre ce qu'elles mettent en œuvre pour y arriver. Parce que c'est ça l'important, ce n'est pas le résultat que vous voyez qui est important, c'est le chemin qui vous permet d'arriver au résultat. C'est en fait qui vous devenez. Vos seules limites sont celles que vous acceptez dans votre tête. Par contre, ce qui est illimité, c'est notre capacité d'apprendre. Ça, c'est clair. Tout le monde n'a pas un potentiel illimité de réussite pour devenir le numéro un dans n'importe quel domaine, mais par contre, tout le monde a une capacité d'apprendre qui est illimitée. Et si vous apprenez, si vous vous formez, vous allez pouvoir développer des choses incroyables et comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à aujourd'hui à vivre vos rêves. Qu'est-ce qui limite votre potentiel?
Quel comportement cela entraîne-t-il? Quel est le résultat de ce comportement? Quel résultat voulez-vous atteindre et que devez-vous faire? Quel comportement? Quelles sont vos croyances? Parce que c'est les résultats que vous avez aujourd'hui qui vont donner l'estime de vous. L'estime de soi, c'est trois composantes. C'est l'amour de soi, plus la confiance en soi, plus l'image de soi. Et plus vous avez des résultats, plus vous renforcez la confiance en soi. Alors, pour en revenir à la puissance illimitée que certains disent que tout le monde a, moi je dirais que le désir peut s'associer à l'absence de limite. Parce que le désir, il est illimité. Même quand votre désir est satisfait, comme le phénix, il renaît. Les limites à nos actions peuvent être dépassées par notre désir à refuser ces limites. Si vous m'aviez dit il y a 2 ans que j'allais créer des sociétés aux États-Unis et développer des séminaires en anglais pour l'année prochaine aux États-Unis et rencontrer des personnalités que vous allez découvrir dans les vidéos que je vais faire à Hawaï, incroyables, eh bien, je ne sais pas si je me serais cru capable de faire ça. C'est simplement parce que mon désir a été grand que j'ai refusé ses limites. Et pour moi, le désir, quand il est dans l'excès et la démesure, pousse l'individu à agir au-delà de ses limites. Retenez ma formule. C'est la formule que j'emploie dans tout ce que je fais jusqu'à présent. Et le tour du monde que je vais faire pour faire tous mes séminaires dans plus de 20 pays a été basé sur cette visualisation que j'ai depuis maintenant 1 an et demi. Un désir illimité dans l'excès et la démesure qui me pousse à agir au-delà de mes limites. Ainsi, je n'ai plus aucune peur parce que je suis dans le désir. La clé est dans le désir. Et si vous désirez les choses avec intensité, vous trouverez toujours les clés pour y arriver. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à ce que vous souhaitez aujourd'hui? Les symptômes, c'est très simple. C'est, 1, vous cherchez toujours à justifier vos actes. 2, vous vous protégez du regard des autres. 3, vous n'êtes pas à l'aise avec le succès. 4, vous vous rabaissez constamment et vous créez ainsi des ondes négatives qui vont attirer des gens qui vont vous rabaisser de plus en plus. 5, vous n'êtes jamais satisfait de vous-même. 6, vous ne vivez pas le moment présent. Alors comment guérir? Comment guérir aussi de la timidité maladive qui nous empêche de passer à l'action? Il faut apprendre à changer ses croyances, à modifier ses pensées, apprendre à gérer ses émotions, mais s'exposer progressivement aux situations redoutées. Et là, vous allez comprendre une des clés que j'appelle importante sur l'estime de soi, pourquoi les gens passent leur temps à se dévaloriser tout le temps. Il ne faut pas confondre modestie et dévalorisation. En fait, la clé de ceux qui ne réussissent pas, c'est simple. J'agis peu, j'exprime donc peu mes sentiments, j'exprime peu mes besoins, j'exprime peu mes désirs. Et si j'obtiens ce que je souhaite, alors je minimise ma réussite. Et je pense même que ma réussite est liée à autre chose que mes compétences. J'ai eu de la chance, donc ça ne se reproduira pas. Et si je n'obtiens pas ce que je souhaite, je suis frustré, je suis déçu, je me fais des reproches, je me juge mal. Du coup, je ne m'autorise pas d'exprimer mes sentiments, mes besoins, mes désirs, puisque je suis le seul responsable. Alors, vous allez briser ce cycle infernal en passant à l'action, car personne ne peut le faire pour vous. Et là, les clés du succès pour vivre la vie de ses rêves, ce sont ces 7 clés suivantes. La 8e n'est que la résultante. 1, c'est l'état d'esprit. Soyez dans un état d'esprit positif tout le temps.
de « enthousiasmez-vous, bordel, vous avez vu la gueule d'enterrement que vous avez quand vous voulez réussir, mais qui peut croire en vous si vous avez cette gueule d'enterrement ?» La première personne qui vous achète le matin, c'est vous dans le reflet du miroir. Quel est le sourire que vous envoyez à l'univers quand vous vous souriez à la vie ou pas? Est-ce que vous vous souriez à vous-même le matin dans la glace? Ou est-ce que vous avez une gueule d'enterrement? Quelle est la femme ou l'homme qui pourrait être séduit par vous avec la gueule que vous faites le matin dans le miroir? Ayez cette image-là. Souriez-vous à vous-même et l'univers vous sourira. Troisième clé, prenez la responsabilité. Tout ce qui vous est arrivé, vous êtes responsable. Pas coupable, responsable. Responsable. De mémoire que vous portez, des fois c'est les mémoires de vos parents. Et ça, ça va vous permettre de retrouver votre autonomie quand vous acceptez ce point de vue, qui, je le sais, n'est pas toujours facile à accepter. Ensuite, planifiez. Faites une stratégie. Passez à l'action, c'est le point 5, uniquement quand vous avez planifié. Il faut que vous consacriez du temps pour planifier ce que vous allez faire, les différentes étapes. Et quand vous passez à l'action, surtout, point 6, c'est soyez patient. Vous n'allez pas commander un livre sur Amazon aujourd'hui et qu'on vous dit qu'il sera livré d'ici 10 à 15 jours et appeler tous les jours pour Amazon alors qu'ils vous ont dit que ça serait dans 10 à 15 jours. Comme si vous plantez une graine dans le sol et que tous les jours vous déterrez le sol pour voir si la graine a poussé. Eh bien, quand vous faites ça, vous empêchez la graine de pousser. C'est la même chose que vous faites quand vous manquez de patience et que vous êtes dans l'anxiété que ça pousse. Vous n'êtes pas dans la foi. Et donc, vous envoyez des messages à l'univers que vous n'avez pas foi et donc vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Donc, soyez patient et lâchez prise. Comment voulez-vous que la flèche de désir atteigne la cible si vous retenez la corde? Il faut lâcher prise et passer à autre chose. Et si vous respectez ces 7 clés, apparaîtra ce que j'appelle le bambou chinois. Le bambou chinois, si vous regardez cette métaphore qui est réelle, c'est que le bambou chinois a cette spécificité de pousser de 3 mètres de haut, et pour certaines variétés de 5 mètres de haut en 24 heures. En une seule nuit, le bambou chinois pousse de 3 à 5 mètres de haut. Mais cela, c'est après 5 ans où il a été planté. Pendant 5 ans, il a reçu de l'eau, il a reçu de la lumière, il n'a pas bougé, on n'a rien vu sortir. Et puis tout d'un coup, en 24 heures, il pousse jusqu'à 5 mètres d'un seul coup et de 7 mètres supplémentaires, soit 12 mètres dans les 3 mois qui suivent. Simplement, c'est que la résultante de cette poussée vient des 5 ans où il a été exposé à la lumière, à la bonne température, à l'eau. Donc pendant 5 ans, dites-vous bien qu'il ne se passera rien, mais c'est pas pour autant que ça n'arrivera pas. Simplement, c'est quand les conditions ont été réunies, le désir ardent, la persévérance et la foi absolue que votre bambou chinois apparaîtra. Enfin, pour terminer ce chapitre et comprendre la confiance en soi qui motive et les peurs qui peuvent bloquer, je voudrais vous parler des freins qui vous empêchent de vivre vos rêves. Alors, 3 peurs principales. 1, la peur de l'inconnu. 2, la peur de perdre la sécurité. 3, la peur de manquer d'argent. Ce sont les 3 peurs qui empêchent les gens de vivre leurs rêves. Et en résulte, 2 peurs secondaires importantes, l'opinion des autres et le manque de temps. Pire, la peur de manquer de temps. Et ça, ce sont des choses que j'apprends dans mes séminaires pour enlever ces peurs, si vous voulez vivre la vie de vos rêves. Enfin, dernier point, si vous voulez réussir, eh bien, il y a des gens négatifs dont il faut vous méfier et vous protéger. Vous ne pourrez pas réussir si vous êtes entouré de ce type de personnes. 6 types de personnes à éviter
Premier type, les aigris. Ils se reconnaissent facilement, ils n'aiment rien, ni personne. Ils sont toujours en train de critiquer. Deuxièmement, les frustrés. Ils sont totalement fermés d'esprit. Troisièmement, les râleurs. Ils ne pouvaient rien faire, c'est leur mode de pensée. Ils n'ont pas d'autres possibilités. Quatrièmement, les grincheux. Tout est vieux, moisi, ils ont 100 ans dans leur tête. Cinquièmement, les rabat-joie. Ce sont les rois des excuses. Sixième type, les susceptibles. Les petits princes ou princesses qui vivent dans leur monde. Eh bien, ces six types de personnes, quand vous les repérez, laissez-les loin de vous, car vous ne réussirez pas dans la vie si vous êtes avec ce type de personnes. Je vous souhaite de bien cultiver votre bambou chinois et vous dis mana aloha. Eh bien, maintenant que nous sommes dans cette attitude élevée de vibration, portée dans cette inspiration qui touche notre soi profond, notre âme, nous allons fermer les yeux et penser à un problème que nous voulons résoudre. Prenons quelques instants en nous pour appeler en nous notre divinité et lui permettre de descendre en nous, jusque dans nos cellules. Voilà, je t'aime. Je t'aime profondément. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime, je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être.
Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Là, pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Dreams that you dream.
chou. Je suis Catherine Teixeire de Toulouse. Je viens d'assister donc à une formation d'Olivier. Donc je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Eh bien moi, je peux vous dire que c'est du, mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors moi, je le voyais ici, mais là, il est. Ça ne s'arrête pas. Vraiment, vraiment top. Si on veut avancer au niveau de l'abondance financière, il vous explique les choses et en plus avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc je vous conseille Olivier Madelrieux. Bonsoir, moi c'est Mélanie Richardson. Alors voilà, je suis au club président MW Airlife. Je suis ravie d'être ici. J'ai passé un moment très très agréable, une très très belle journée en compagnie d'Olivier qui est un coach hors pair. On est sur un haut level, un très haut niveau, et je le remercie pour toutes ces bonnes ondes, cette belle énergie qu'il nous a donnée. La remise de confiance en soi, évidemment, était là aujourd'hui. On a pris du punch de l'Agnac. On va devenir toujours plus fort. Et il a su nous expliquer avec beaucoup de simplicité
tout ce que l'on avait besoin de savoir aujourd'hui. Donc pour ça, je le remercie. Et merci à toi qui es derrière la caméra. Merci à toute l'équipe. Merci pour cette formation qui nous a apporté beaucoup de choses à moi et mon équipe. Franchement, très très bon, très très bon, très, très bons exercices. On a pu vraiment partager quelque chose qui pour moi est essentiel pour notre développement personnel et pour la suite de nos affaires. Merci Olivier, merci pour tous ces conseils, merci pour tous ces exercices et bonne continuation pour le futur parce que vraiment tu le mérites, c'est super.